Good morning, allez-y, d'un et sur aujourd'hui, le Nishmat Richard Ben Fortune Mazal, Claude Yitzhak Ben Fortune Mazal, Dani Myriam, Bat Elisa Sayak. Si vous souhaitez vous aussi désirer notre prochaine étude de Mishnah Kotet 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Souka, Perek Aleph, Mishnah Tet, Amishal Shel Defanot, Milemala Lemata, Im Gvoha Mina Aretz, Shloshat Fachim, Sula, Milemata Lemala, Im Gvoha Mina Aretz, Asarat Fachim, Ksheira. Rabbi Yossi Omer, Keshem Sheni Lemata Lemala Asarat Fachim, Kach Mi Lemala Lemata Asarat Fachim, Irhik Mina Sikuch, Irhik et Asikuch Mina Defanot, Shloshat Fachim, Psula. Deux sujets essentiels pour la construction d'une souk akshera, à savoir, trois même allez. Ameshal Shel Defanot, Mi Lemala Lemata. Je vais déjà traduire, après on expliquera. Le mot Meshal Shel, ça veut dire se faire descendre de haut en bas. Ça vient du mot chalchelet. Une chalchelet, en hébreu ancien, c'est une corde. Faire descendre de haut en bas, ça s'appelle qu'on est méchalchel. Entre parenthèses, ne cherchez pas dans le dictionnaire, c'est quoi méchalchel, vous serez étonné par la réponse. Ça veut dire bah, on de la diarrhée. En hébreu moderne. Méchalchel, donc c'est faire descendre de haut en bas, soit avec une corde. Là, c'est pas le cas. Là, on parle de quelqu'un, en fait, qui tisse, en fait, sa souka, c'est-à-dire il a mis des poutres pour mettre son srach. Il y en a qui expliquent qu'il n'a pas encore mis le srach, il le mettra à la fin le srach. Et pour le moment, il va commencer à construire son mur. Depuis de haut en bas, il va prendre une première tige, ou ça peut être aussi qu'il va tresser des roseaux, ou peu importe. Il va de haut en bas. Donc il est meshalchel dfanot, milemal alemata. Il tisse de haut en bas des dfanot, des murs. Le dauphin, c'est le mur de la souka. Im gvoa minaretz. Maintenant, il commence depuis en haut jusqu'en bas, puis après, il arrive vers le bas, et il ne lui reste plus assez de matériaux. Il est bloqué. Est-ce qu'il peut se dire, bon, tant mieux, c'est pas grave, on a fait un beau mur de 2 mètres, qu'est-ce que ça peut faire qu'il reste 50 cm en bas? Hein? Eh ben non. Psoula, c'est pas validé. Tandis que, milemata lemala, s'il a fait le contraire, il commence par en bas. Et il commence à tresser et à avancer et à monter. Im gvoa minaretz asarat fachim. S'il atteint une hauteur de 10 tefar à partir du sol, un tefar c'est un point, donc ça veut dire l'équivalent de 10 cm, 12 cm plus ou moins. Il atteint l'équivalent de 1,20 m uniquement. Kshera, la souka et le kshera. Donc vous avez compris qu'il y a deux cas de figure. La Michel me dit, tu sais, si tu commences un mur depuis le bas et tu le fais monter à 10 tefar, allez, la Khumra, 1,20 m. Et bien, même si après, tu as un trou gigantesque de 3 mètres, et seulement après, tu as ton srach, c'est cachère. Par contre, si tu as commencé depuis, imagine, tu as ta souka de 4 mètres de hauteur, tu commences depuis tout en haut, tu construis 3 mètres de srach. En bas, tu as juste une ouverture de 1 mètre. Et ben, c'est pas bon. C'est invalidé. Et sur ça, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit non. Keshem shemile mata le mala sarat fachim. Kachmile mala le mata sarat fachim. Rabbi Yossi nous dit non, je ne suis pas d'accord. Au même titre que depuis en bas jusqu'en haut, quand tu montres 10 tefar, 1,20 m, 1 mètre, si tu t'es acquitté, ça marche, c'est validé. Et bien de la même chose, si tu commences depuis en haut, tu atteins l'équivalent de 10 tefar aussi depuis en haut, c'est validé même si c'est ouvert. Quelle est la discussion? La discussion, elle est simple. Est-ce qu'on dit Goud achit, mechitza ou pas? Est-ce qu'on dit qu'un mur qui est en haut, est-ce qu'il a l'équivalent de est-ce qu'il a, il est considéré comme un mur qui permet de définir un espace? Soit, c'est très simple, c'est selon la halakha d'abord, peut-être qu'il faut commencer d'abord dans l'ordre, on va commencer à faire en bas, depuis en bas jusqu'en haut. Depuis en bas, vous avez bien compris le cas. On construit une souka avec des poteaux même à 5 mètres de hauteur, si vous voulez. On est encore dans les 20 amot, donc c'est permis. 5 mètres de hauteur, on met un srach. Et puis en bas, on va mettre, pour pouvoir avoir un mur, on va faire des murs de 1 mètre, comme ça on va prendre des planches de bois, on fait le tour comme ça de la souka. Il s'avère que la souka, elle est essentiellement aérée au possible. Et ça marche, parce qu'on en considère que pour... On sait bien que la souka, il faut qu'il y ait 3 murs et un toit. Dans toute la Torah, dès qu'on a un mur qui fait 10 tefar, c'est considéré comme un mur. Si, je ne sais pas si vous vous rappelez encore des l'chot de Shabbat aussi. Dès qu'on va voir 4 tefachim sur 4 tefachim, 40 cm sur 40 cm avec un mur, de, avec, une, avec une hauteur de 10 tefar par exemple, donc ça se considère qu'on a 4 murs
avec une... On a un rechut à Yachid. On avait, si vous vous rappelez, on avait appris que ramasser, vous trouvez une mezouza par terre dans pleine rue à Shabbat. Et vous avez un poteau qui fait 40 cm sur 40 cm, qui a une hauteur de 10 téfards de 1 mètre. Vous prenez la mezouza, vous la posez dessus, vous avez transgressé un interdit Shabbat de faire passer du rechut à Rabim au rechut à Yachid. Ouais, vous étiez sur la voie publique, il y a maintenant un poteau ici. Ce poteau, il a un statut de rechut à Yachid parce qu'il est défini. Il a une barrière ou bien un mur de 10 téfards de haut pour une surface de 4 téfachim. Même principe pour la souka, tout mur de 10 téfards, c'est considéré comme un mur. Mais à condition que ça démarre à partir du sol, selon Tanakama. Dès que ça démarre à partir du sol, il atteint 10 téfards. Après, de notre point de vue, Goudasik Mechitsta. Le mur, il monte et jusqu'au ciel, si vous voulez. Un avion qui passe au-dessus, il est considéré qu'il passe du Avir Makom Tour au Rechut Hayachid. Cet endroit-là est considéré comme un Rechut Hayachid. Dans Shabbat, elle raconte, même si on va voir, on va mettre un bâton de 25 mètres avec au-dessus un petit panier en haut, et je vais ramasser quelque chose du Rechut Arabim, je vais le jeter jusqu'à tout en haut, à 25 mètres de hauteur, ça tombe dessus. C'est considéré que ça arrivait, ça s'est posé dans le Rechut Hayachid, et je rendais ça interdit de porter à Shabbat même ici. D'accord? Mais la même chose aussi, donc un mur qui démarre à partir du sol, ou Dasik Mechitsa, le fait monter le mur, et c'est considéré comme une Mechitsa. Par contre, lorsque tu démarres d'en haut jusqu'en bas, là on a une règle. Selon Tanakama, la base élémentaire, la notion élémentaire, définition élémentaire d'un mur qui te définit un endroit, c'est d'empêcher le va-et-vient trop libre. Or, dès que tu vas avoir le mur qui va être surélevé, on va expliquer après de combien, donc on va pouvoir passer en dessous, c'est pas un mur. Un mur, c'est quelque chose qui te... Un mur, un dauphin, un mur qui te délimite un endroit, c'est d'abord, premièrement, quelque chose qui te bloque le passage, ou bien qui va te rendre le passage désagréable. Pas facile. Là, tu peux définir que tu as un mur qui te délimite un endroit, un lieu. Tandis que si c'est des murs en l'air, mais en dessous tu passes très libre, c'est pas un mur. Ça, c'est l'habitat de Kama. Mieux que ça. À partir de quelle hauteur, dès que ça va être au-dessus de 3 téfards du sol, donc l'équivalent de 36-37 cm, c'est une ouverture en bas. C'est vrai que toi, tu ne réussis plus à passer, et même les enfants, ils ont du mal à passer à 35 cm, à 40 cm. Mais tu as déjà les animaux qui peuvent rentrer très facilement, et bon, on considère qu'il n'y a plus de mur. D'accord? Ça, c'est la vitesse de Kama. Et Rabbi aussi nous dit, non, écoute, à partir du moment où tu as un mur en haut qui fait 10 téfards, on considère que l'endroit, il est délimité, même si tu peux effectivement rentrer très rapide, très aisément, même s'ils vont être les murs à une hauteur de plus de 2 mètres que tout le monde peut courir, malgré tout, c'est un endroit qui est délimité par des murs. D'accord? C'est la marque. Fin de la première, du premier sujet de la Mishnah. Dernier petit sujet, c'est « Irrik et asikur mida defanot, shloshat fachim sola ». S'il a éloigné le srar du mur de 3 téfars, c'est invalidé. Soit, on a déjà expliqué, la souka, c'est avoir trois murs et un toit. Trois murs et un toit, comme tu construis une maison. Tu as des murs et un toit qui démarre d'un mur jusqu'à l'autre, qui recouvre tout. Mais si tu vas te faire un toit avec des espaces gigantesques et des murs à 20 à 5 mètres des deux côtés, bah tu n'as pas une maison. Tu as des murs qui n'ont aucun rapport avec le toit, d'accord? La base, c'est d'avoir un mur, un toit, et, enfin, trois murs, et un toit qui le recouvre. Si tu écartes les murs, et tu as un toit qui est au milieu, qui est posé et soutenu par des piliers, par exemple, les murs, ils n'ont pas de rapport avec ton toit. C'est le principe qui se passe ici. À partir de... Jusqu'à quelle mesure est-ce que je suis obligé de les coller complètement? Est-ce que je peux les éloigner un petit peu? Alors là, j'ai dit, jusqu'à 3 téfards, tu peux éloigner. Plus que 3 téfards, c'est invalidé. Ça veut dire qu'en fait, si, quand tu as ton mur qui est ici, tu vas éloigner ton srar de 20 cm. Alors, c'est une règle. 3 tefachim, c'est les voûtes. On considère que c'est rempli. Jusqu'à 3 tefachim, dans plein de halakhot, on a déjà évoqué. Dans plein de halakhot, jusqu'à 3 tefachim, on considère que c'est rempli. C'est pas un vide important. C'est un trou en plein milieu de quelque chose qui est rempli. Donc, si tu as un srar qui est rempli, qu'est-ce que c'est de 2 tefachim de 20 cm, 25 cm par exemple, c'est encore bon et... c'est bon. Mais maintenant, si tu l'éloignes de plus de 30 cm, par exemple,
ou même la Khumra, on va faire 28 cm, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a plus de rapport entre ton srar et ton mur. Peut-être que de l'autre côté, il restera encore trois murs, mais si tu l'écartes aussi de l'autre côté, eh ben, tu n'as plus de mur. D'accord? Tu n'as plus de srar qui recouvre un mur, et la soukha, elle est invalidée. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tuv Sela.